Shabbat, Perek, 17, Daf, Kufchav, Bet, Amud, Bet. Et Daf, Kufchav, Gimel, Amud, Alef. Donc, Shabbat, chapitre 17, page 122b et 123a. Nous sommes à cette ligne avant la fin. Shukur Eliyahu Nishmat Rabbi Avraham Ben Jamila, Leir Fuat Kol Chole Amo Yisrael Besalam, Yehaim Ben Rahmano, Israël, Yaakov, Olivier Ben Rivka, Yitzhak Ben Esther, Karine Soda Bat Esther, Yosef Ben Soda, pour Holy Amo Israël. Amen. Y a-t-il des questions sur hier? C'est rien qu'on peut répéter, Rabbi. Hein? Le Amar Abaye, le Lam Kassava. Amar Abaye. Okay, cette partie-là. Bon. Il y a une différence entre notre lime, Ken, bien italim, et nitelou. Nitelou, comme ça au passé, ça veut dire bdiavad, ça a été fait. Quand on dit notre lime ou nitalim, c'est le chatehila. Ça va? Or, la Breta, elle dit de l'Etche Shidda, chez Teva, chez le Migdal, Notlim. Notlim, le Chatehila. Aval lo Mahzirin. Ça va? Alors, on a eu un problème. Qu'est-ce qu'il pense le Tana qui dit cela? S'il y a Binyan Bakelim, c'est pour cela qu'il y a Stira. Alors pourquoi il permet, pourquoi il permet la Stira, notre lim, on l'enlève? Mais pas Marzirim. Et pas Marzirim, il ne permet pas le Binyan. S'il permet la Stira, il doit permettre le Binyan. S'il permet le binyan, il doit permettre la stira. Bakelim. Parce qu'on a dit le loul, parce qu'il est rattaché à la terre, il y a binyan, il y a stira. Pourquoi? Du fait qu'il est mehoubar la karka, c'est quand où on fait le binyan, où on fait le stira. Un binyan qui est rattaché à la terre. Un binyan qui est rattaché à la terre. Je le détruis ou je le construis. Abaye dit, il ne faut pas lire notre lime. Il faut lire chez Nitelou. Nitelou, ils ont été pris. Diabad. Ça va? Donc, il n'y a pas de contradiction avec l'Omahzirin. Baraba lui pose deux questions. Il lui dit d'abord, on n'a pas dit Shenitelu, comme tu dis. On a dit Notlim, Onitalim. C'est-à-dire les Khatehila. Il lui dit, si tu dis comme toi, qu'est-ce que ça veut dire Rabal? Pourquoi il dit, mais l'Omahzirin?
Quand je dis mais, ça veut dire que la première opération a été permise. C'est cette deuxième qui est interdite. D'où Rabat, il dit, En binyan ve en stira bakelim. En binyan ve en stira bakelim. C'est pas Alors, grave. tu vas me dire pourquoi en mahzirin? Pourquoi en mahzirin? Il a dit, gzarash maitka. C'est pas parce que c'est un binyan, c'est parce qu'il va faire makebe patish. Patiche. Il va l'arranger comme il faut. Il va pas juste le poser. Voilà. Notez la dame Cournasse. Là-bas où nous sommes. Amar Rav Yehuda. Kurnas chez les Gozim, l'Ipso Abo est à Egozim. Rabbi Yehuda, il dit Kurnas, un marteau chez les Gozim pour casser les noix. L'Ipso Abo est à Egozim. Il est permis de le transporter pour casser les noix avec Shabbat. Aval shel napahim lo, mais un marteau de forgeron, non, c'est assur. Machmak, ce n'est pas le même? C'est ça la kavana? Le marteau de forgeron, c'est un marteau qui est melachto l'issur. Tandis que le marteau pour les noix, pour casser les noix, c'est une mlacha qui est permise, il veut manger les noix. Il a besoin de les casser, il prend le casse-noix. Excuse-moi, pourquoi on ne les casse pas avant Shabbat? Pour t'ennuyer. Pour que tu poses cette question. Ouais. S'il veut les faire avant Shabbat, c'est tant mieux, mais s'il a envie de la noix, tu vas l'empêcher. Non, je ne vais pas l'empêcher. On essaie d'empêcher Khadisham de faire un péché. C'est pas ça du tout le problème. Si c'était un péché de casser la noix. Oui, mais avec ça, on empêché, peut. Je lui aurais interdit. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce n'est pas interdit. Du fait que ce n'est pas interdit, j'utilise le marteau pour casser les noix. Barabi Oudai dit, ce n'est pas n'importe quel marteau. Si c'est un marteau de menuisier, tu ne peux pas. Si c'est un marteau de forgeron, tu ne peux pas. C'est le marteau qui est spécifique pour les noix, tu les peux. Noix. Ça veut dire que un keli dont la mlacha est issour, qui est utilisé assour. Pour un métier qui est assour Shabbat, de le faire Shabbat, il est interdit de le transporter. C'est ce que nous dit Rabbi Yehuda. Kassabar davashi melachto l'issour afilou le tzorek gufo assour. Donc Rabbi Yehuda, il est sauveur. Rabbi Yehuda, il a, n'est-ce pas, la svara, pour lui, son opinion, c'est que davashi melachto l'issour, un outil qu'on utilise pour une melacha qui est interdite, Shabbat, il serait interdit. Même si j'ai besoin de cet outil pour autre chose qui est permise,
pour autre chose, une melacha qui est permis Shabbat, à sourd et à plus forte raison, quand je dois le déplacer parce que j'ai besoin de sa place. Rabbi Yehuda, il te dit, mais Kelish Melachto, il sourd, il est interdit de le déplacer, le Tzorech Goufo, pour lui-même, ou le Tzorech Mekoumo, ou si j'ai besoin de sa place. Si j'ai besoin de lui-même pour un autre travail qui est permis Shabbat, Rabbi Yehuda, il te dit, interdit. C'est le cas du marteau du menuisier ou du marteau du forgeron que je ne peux pas utiliser pour casser les noix. Et casser les noix, c'est permis Shabbat. Ou bien les tzorech mekomo. J'ai besoin de la place qu'il est. Il prend, il est sur une chaise, on a besoin de la chaise. C'est ça, je veux l'enlever. Alors, Rabbi Yehuda, il dit non. Rabbi Yehuda, il te dit non. Non, tu n'as pas le droit de le bouger. Est-ce que c'est la même gravité, la place ou l'utilisation, mais l'arton est sur ou mais comment? Tzorech goufo, tzorech mekoumo, c'est la même chose. C'est la même interdiction. Celui qui permet. Celui qui est interdit, interdit. On dit les deux. Amalé Rabba. Rabba a dit à Rabbi Yehuda. La Me'ata lui a dit, c'est très bien, parce qu'il y a une possibilité d'avoir un marteau du menuisier ou un marteau du forgeron que je peux utiliser pour une melacha, les hétères, et pour une melacha, les issur. C'est pour cela que tu l'interdis à filou, les hétères. Ça va? Alors, elle a mis à temps. C'est pas des katané. Dans la Mishnah, la fin de la Mishnah, des katané, où on enseigne Vetarahat vetamalges. Tarahat, c'est l'appel. Tamalges. Malges, c'est, nous avons dit, c'est comme la fourche. La tête à lave les katanes. Pour donner à manger à un katan. Une pelle et un malges, une fourche, c'est, ça peut être utilisé pour un katan. Non. Même là, le marteau, tu m'as dit, le marteau, on peut l'utiliser pour la noix et pour le forgeron, pour le menuisier. C'est pour cela que tu viens de m'interdire et de me dire, on ne peut transporter que celui qui est spécifique pour la noix. Or, rahat, tout rahat, c'est pas du tout un keli. Pour manger? On aurait pu penser que je peux l'utiliser pour donner à manger à un enfant. Tu veux t'amuser avec lui, tu lui donnes, tu lui mets un gâteau sur la pelle et tu lui dis, allez, oh, ouvre la bouche, voilà, je te donne, prends. Et il dit, c'est pas habituel ça. Et pourtant, la Mishnah, elle m'a dit, je peux l'utiliser même que Melachtol est sourd, même que c'est interdit de le déplacer. Pourquoi? Parce que Samlacha, elle est sourd. C'est avec ça que je prends le foin. C'est avec ça que j'évente le foin. C'est Melachtol est sourd. Et pourtant, la Mishnah me dit, le katan, je peux le déplacer pour donner au katan. Et là, ma Rabba. Donc, Rabba, il a réfuté Rabbi Yehuda. Kournas, shel napahin liftsua boitai guzim. Il n'a qu'à dire donc, le marteau du forgeron pour casser la noix.
Ifsoabo Egozim. Bien que c'est un marteau qui est réservé aux forgerons, il s'est mélachto les sourds. J'ai besoin de ce marteau. Je n'ai pas autre chose avec quoi pour casser les noix. Je casse les noix avec. Rabbi, je suis coincé avec Katan. Pourquoi il donne l'exemple d'un petit? On aurait pu dire l'exemple d'un grand aussi. Un grand doit lui donner dans une pelle. Non, l'idée, c'est, j'ai lu ici dans les petits Purushim, il dit s'il y avait un enfant qui était un peu loin de l'autre côté de la rivière, il ne peut pas passer, on lui donne ça comme ça. Mais oui. On aurait pu imaginer qu'un grand aussi était coincé quelque part, on veut lui donner. Non, non. Ça ne marche pas, ça? Ça peut marcher, mais c'est toujours un katan. On donne à manger. Le grand, il prend à manger lui-même. Il va se servir lui-même. Ce que tu as à lui donner. On peut trouver une idée, imaginer une façon où j'aurais pu utiliser. Il a pris une situation qui est limite. Il se trouve de l'autre côté de la rivière. Mm-hmm. Il se trouve à côté de moi, loin. Et je veux l'intéresser pour qu'il mange, je lui donne dans le rahat. L'appel. Combien de fois vous amusez l'enfant? Pour qu'il mange. Citer à manger. Oui. Alors le but ici, c'est de nous montrer des outils qui sont extrêmement mouktés. On a trouvé une utilité et donc on peut les utiliser. Donc absolument. L'idée de Rava. Rabba. Dans le but de nourrir l'enfant. Rabba avec lui. Avec lui. Alors. Lui dit, quand la Mishnah dit Kournas, elle parle de Kournas chez Napahim, de Kournas de forgeron. Iftsoabo Haegojim. Pourquoi? Parce que Kassavar, Rabba, il est sauveur. Il est d'opinion que d'avoir chez Melachtol et Issou, un outil qu'on utilise pour une melacha qui est interdite Shabbat. Et j'ai besoin de cet outil pour autre chose qui est permise. Le tzor et goufo, quand je veux l'utiliser lui-même pour une melacha qui est permise, mutar, c'est permis. Donc, Rabba, entendons-nous. Rabbi Yehuda dit, quand on a parlé de Kournas, c'est pas, n'imaginez pas que c'est le Kournas du forgeron. Kournas du forgeron, il est assourd. Mais on a parlé de celui de la noix. Oui. Je suis là parce qu'on casse les noix, je peux le transporter. Avec le Kournas des Napahim, non. Avec Rabbi Yehuda, non. Pourquoi? Melachtoleissour. Ce cornas de Napahim, Melachtoleissour. Il fait créer Melachtoleissour à filo et sore et bouffo. Choshken et sore, mais comment? Il ne faut pas le bouger. Barabba, il lui dit, mais alors on ne comprend pas la suite de la Mishnah. C'est très bien, ça peut marcher ce que tu dis avec Kournas, avec Kardom, parce qu'il y a Mahali Sun, Mahali les terres, avec Megera, avec la scie, Merahat. Est-ce que. L'appel. C'est fait pour donner un enfant. Je suis obligé de dire que, bien que le rahat est melachto l'issour,
Maintenant que j'ai besoin de son gouffre, de l'outil lui-même, pour l'utiliser pour quelque chose qui est permise, je l'utiliserai Shabbat. Et si j'ai besoin de la place, je l'enlève et je le déplace. Rabbi Yehuda, il dit non à ça. Rabba, il permet. Voilà, Rabba, il a éludé Rabbi Yehuda. Okay. Bon, maintenant qu'il va secourir Rabba, Rabbi Yehuda, c'est Rabba. Abaye. Et tu veux Abaye de Rabba. Rabba, c'est le maître de Abaye. C'est le maître et c'est l'oncle de Abaye. L'oncle de Abaye. Rabba est le frère de Nahmani. Nahmani est le père de Abaye. Abaye, quand sa mère était enceinte de lui, il a perdu son père. Quand sa mère l'a mis au monde, elle est morte. Donc Abaye Avi Yetomim. Abaye, Avi Yetomim. C'est son oncle aussi? Asher Becha Yeroham Yatom. Yeroham Yatom. Il a un nom par ça? Abaye est né orphelin, c'est ça? Il est né orphelin. Abaye est le fils de Nahmani. Oui, mais est-ce qu'il a un nom? Nahmani est son frère. On l'appelait comme Abaye, il n'a pas un nom à part Abaye? Il s'appelait Nahmani avant parce qu'il ne peut pas avoir le même nom que son père. Son frère s'appelle Nahmani. Et Rabba, il l'appelait comme ça Nahmani. Il a été élevé par Rabba et Rabba était son maître. Et tu veux abayer le Rabba. Abayer s'est objecté à Rabba. Il lui dit, Medoucha, nous avons une Mishnah. Imieshba Shum, Metatelin Ota. Veimlav, en Metatelin Ota. Medoucha, Medoucha, c'est un pilon. On pile. Medoucha, oh, d'achouba Medoucha, ou bichelo va parour dans la main. Oh, d'achouba Medoucha. Il a écrasé, n'est-ce pas? Medoucha, c'est le pilon. Et le choum, quand on voulait écraser l'ail, on utilisait la medoucha. Alors il dit, la Mishnah, medoucha, si c'est un pilon, et je veux le transporter Shabbat. La Mishnah dit, Imieshba Shum, s'il y a encore des traces d'ail dans la Medoucha, des restes, Metatelin Ota, on peut la transporter. C'est-à-dire, c'est comme si l'ail que je transporte, à cause de l'ail, je peux transporter la medoucha.
Pourquoi? Parce que on peut transporter. Vous pouvez écraser Shabbat? Non. Ok, non. Il ne faut pas écraser. Écraser, ça veut dire moudre. Moudre, c'est interdit. Tochen. Donc la médoucha, c'est melachta l'issour. Pourquoi je la transporte? C'est parce qu'il y a choum. À Gav, le choum, je transporte toute la médoucha. Ve'imlav. Et s'il n'y a pas de choum, on a bien lavé, il n'y a rien. El metatelinota. Ça veut dire qui a raison maintenant, Rabba ou Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Rabbi. Yehuda, merci. Ça a l'air que vous êtes un petit peu embrouillé. On va mettre de la... un céder. Jusqu'à présent, on a réfuté Rabbi Yehuda. On lui a dit, c'est pas vrai ce que tu as dit. Qu'un kelish melachto l'issour, je ne peux pas l'utiliser pour une melacha qui est muteret Shabbat. Je peux l'utiliser. D'où je l'ai appris de Rahat. Ça va? Donc c'est Rabba qui a raison parce que même Kélish Melato Lissou, quand les Tzorek Goufo, je peux l'utiliser pour une Melacha qui est Mouter et Shabbat, je l'utilise. Je transporte. Baba, il lui dit non, tu n'as pas raison, Rabba. Voilà que la Médoucha n'est transportable que s'il y a choum. Quelque chose dedans. S'il y a des traces de choum dans la médoucha, dans ce pilon, on peut la transporter vim lav, non? Mais je crois que c'est Rabbi Yehuda qui a raison. Amale, Barabba Bar Nahmani, il dit Amale, Hamani Rabbi Nehemiahi. Cette Mishnah que tu as dite, c'est une Mishnah qui appartient à un individuel. Il est seul à avoir cette opinion et tous les Hachamim sont contre lui. Qui a dit cette Mishnah, qui est l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Nehemia. Et Rabbi Nehemia, les Hachamim sont contre lui. Donc, c'est, si la halakha était comme lui, j'aurais dit que ton objection est une objection. Mais maintenant qu'il est seul à le dire, il est unique à le dire. Ça ne marche pas. La halakha n'est pas comme lui. Et ce n'est pas une objection. De Amar, Rabbi Nehemia, il a dit, En keli en ital, ella le tzorech tashmisho. Un keli n'est transportable que pour son utilisation, à lui, pas pour une autre utilisation. Spécifique à lui. Ça fonctionne. Ça fonctionne avec Rabbi Yehuda, parfaitement, mais les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Voilà. Donc, toi, Abaye, ton objection n'est pas valable. Abaye, il connaissait cette braïta, il connaissait probablement la source, mais il ne savait pas que les Chachamim étaient contre ça, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Sinon, il ne l'aurait pas amené comme une objection. S'il sait que cette braïta n'a pas été acceptée, cette braïta est une braïta qui n'est pas du tout comme la Mishnah. Il n'y a pas une autorité comme la Mishnah. Mais si jamais la braïta dit le contraire de la Mishnah, il faut le
il faut l'expliquer pourquoi elle dit le contraire. Elle ne peut pas venir contredire la Mishnah qui est une autorité. Donc, si on approfondit dans cette braïta, on va comprendre le sens. Voilà, il dit, c'est Rabbi Nehemia. Hi. Bah, il continue. Elle dit, ça va, ça c'est Rabbi Nehemia, j'ai autre chose. Et tu vas. Bichamay Omrim, En Notlim, et Haïli, de Katseva la Bassar, Bitilel Matirim. Un jour de Yom Tov, et on a besoin de couper la viande, de tailler la viande. Alors, il y a ce qu'on appelle Eli. Eli, c'est comme, comment on appelle cela? C'est comme un pilon, mais en bois, très grand. Et on utilise un écrou. C'est là-bas où on fait, on prépare les blés ou l'orge, tout ce qu'on prépare pour la, comment on appelle cela, pour la dafina. On les pile pour enlever l'écorce, pour les rendre plus tendres. Le blé là? C'est en bois creux, très profond, et des fois on utilise ce Eli, on n'a pas de siège, on le prend, on le met sur sa bouche. Et on s'assoit sur le fond. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez, n'est-ce pas, le Eli, c'est un keli qui est creusé profond. On utilise comme un pilon en fer pour piler. Et quand on a besoin, il n'est pas occupé. On l'utilise en le renversant sur et on s'assoit dessus comme un siège. C'est donc c'est comme Martèche, mais un grand. Et voilà. Mais comme il est en bois, c'est comme un tronc d'arbre. Alors on le renverse. Et on taille la viande dessus, les katsev à l'ambassar. Comme un plateau, il a rendu un plateau pour... Ce n'est pas un plateau, c'est... chez les bouchers, ils ont des troncs d'arbres. C'est ça, très épais. Très épais. Sur lesquels il y a... Les tranches. Les tranches. Shulchan shel katsavim, je pense. C'est ça. Voilà, donc il le tourne, puisque c'est c'est très épais encore le bas, ils peuvent taper dessus, ça ne va pas casser. Ça va, Ion. Tu n'as aucune. Je trouve pas. Une image. Je trouve des petits, oui, mais pas quelque chose de grand pour l'Amprich. Alors il dit un jour de Yom Tov, quand on a fait la Shehita, les Beit Shammai, ils ont dit, tu ne peux pas prendre le Eli pour tailler la viande dessus. Beit Hillel, ils disent, non, je peux le prendre. Pourquoi? Les Simchat Yom Tov, pour permettre à ce que pendant le jour de Yom Tov, on soit joyeux. Beit Shavin, Sheim Katsav Ala Basar,
שאסור להטלטלו. ושבין, ils se sont mis d'accord, Beth Shammai et Beth Hillel, si déjà, Im Katsav Alav, si déjà il a taillé la viande dessus, il ne peut plus le transporter. Ça veut dire le tourner pour s'asseoir dessus. Voilà. S'il a déjà été utilisé. Il ne peut pas l'utiliser pour s'asseoir, même pour s'asseoir. Le renverser sur soi dessus. Il a donné ça veut dire quoi? Ça veut dire Saint Kelly qui est. Mais l'Arthol et Issou. Là où Beth Hillel, ils ont permis, c'est parce que c'est Tachmisho. C'est son utilisation. Alors, la Gemara dit. Il voulait encore une autre fois lui dire cette Mishnah que tu as porté, c'est comme Rabbi Nehemia. Et c'est la même réponse qu'il aurait pu lui faire. Il n'a pas dit cela. Et si d'après le commentaire, Beth Hillel autorise pendant Yom Tov? Qu'est-ce qu'on a dit? Pour la Simcha. Qu'est-ce qu'on a dit? Que Beth Hillel est pour la possibilité de faire ce pilon. C'est bien ce qu'on a dit aussi. Ah oui, d'accord. Okay. C'est ce qu'on a dit. Quand tu m'apportes le commentaire, ça veut dire que tu m'apportes quelque chose que on n'a pas dit. Vous avez déjà dit, bien sûr. Bien sûr. Je ne l'avais pas réalisé quand j'ai lu le commentaire, je m'excuse. C'est venu confirmer ce que vous avez dit. Non, c'est pas ça du tout. Mordechai. Mais, ok. Quand je l'ai dit, tu n'as pas fait attention. Oui, peut-être que j'étais en train de lire le commentaire pendant que vous le disiez. Voilà. Effectivement, oui, vous avez raison, Abby. Possible. Alors, savoir les chaînes où il est, que Rabbi Nehemia. Il voulait lui donner la même réponse que tout à l'heure. Cette Mishnah est aussi comme Rabbi Nehemia. Ça veut dire que Rabbi Nehemia, il ne permet de transporter un kéli que si c'est pour son utilisation spécifique, pas pour une autre utilisation. Aval, il ne lui a pas donné cela. Pourquoi? Qui vend des chamas, les ha de Amar Rabhine Nabar Shelamia Micheme de Rab. Du fait qu'il vend, du fait des chamas, Rabba a entendu cette halakha qui a été énoncée par Rav Hanina Hinana Bashelamia, qui l'a dit au nom de Rav, Hakol Modim, Besiche, Zairi, Mzuri, et qui vend du Kafid Alayhu, Miyahed Lehu Makum, Achanami. Quand il a entendu Rabba, la halakha qui a été énoncée par Rabbi Rabhinina Bar Shelamia, dite au nom de Rav, Hakol Modim, même les hachamim qui sont contre Rabbi Nehemia. Même les hachamim qui sont contre Rabbi Nehemia, qui disent c'est permis de transporter un keli des tzorek goufo pour l'utiliser pour lui-même, pour une autre melacha qui est permise,
Mais ici, il dit, les Hachamim sont d'accord avec Rabbi Nehemia. Dans le cas de Sike, Zairi, Mzuri, c'est Rachid apporte deux explications. On parle de Sike, Zairi, Mzuri, ce sont des kelim de teinturier, dans lesquels on prépare les teintures. Et bien entendu, ce sont des kélim. Melachtam l'issour. Comment? Melachtam l'issour. Melachtam l'issour, mais je ne veux pas les utiliser pour autre chose. Je les réserve uniquement pour cette... Parce qu'ils risquent de s'abîmer, c'est ça? On verra plusieurs fois qu'il y a des cas comme ça qu'on appelle Mouksé Mehamad Hezron Kis, parce qu'ils sont précieux. S'ils s'abîment, ouais, je vais dépenser de l'argent pour les réparer. Ouais. Par exemple, un moël, le bistouri du moël, c'est quelque chose de très précieux. Mmh. Alors, on ne peut pas le transporter pour autre chose que pour la Mila. Et quand est-ce? Quand il le fait, quand il fait la Mila. Mais pas après. Après, c'est fini. On ne peut plus le déplacer. Donc, il rapporte que Siché, Zaire et Mzore, ce sont des kélim qui sont spécifiques pour le teinturier. Un des maîtres de Rashi rapporte, ce sont des kélim qui sont spécifiques pour le tisserand. Le tisserand, il y a des barres de haut, la barre d'en bas, les barres qui sont horizontal, cela c'est aussi précieux. Alors à Kol Modim, dans ce cas-là, des kafid alayhu, il est exigeant, il ne veut pas du tout qu'on les touche, il ne veut pas du tout les utiliser pour autre chose, mais il leur réserve un endroit spécifique dans lequel il les garde. De manière à ce qu'ils ne soient pas du tout utilisés. Achanami lui dit, là aussi, de quoi on parle? On parle du Haeli. C'est quelque chose de précieux. Le pilon. Et une fois que tu l'as utilisé pour la viande, tu ne peux plus le transporter pour faire un siège ou autre chose. C'est fini. Il est précieux, et du fait qu'il est précieux, Kafi Dalaïo, il est exigeant. Est-ce qu'il y a une difficulté ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut dire que Rabbi Hanina Bar Chelemia a changé d'avis, en quelque sorte, sur sa première svara? Quelle est la première svara de Rabbi Nehemia, de Rabbi Hanina? C'est qu'il pensait qu'on pouvait déplacer. Et là, comme tous les Chachamim sont d'accord... Tu as entendu Rabbi Hanina? Est-ce que c'est pas lui qui parlait de Rabat? Non, ouais, parce que il disait au nom de Rav qu'il avait entendu ce que Rav. Non, c'est Rav Nehemia, pardon, Rav Nehemia. Oui, je m'excuse. Ok, c'est lui qui est venu avec cette. Tout le monde est d'accord avec Rabbi Nehemia. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Ce sont les Hachamim qui. Mechila, Mechila. Pour certains kélims spécifiques.
Voilà. Dans ce cas-là, à sort de l'étaltel au temple. Pourquoi? Parce qu'il leur réserve un endroit. Kafir alayhu, il est exigeant. Il ne veut pas du tout qu'il s'abîme. Oui, Doudou. Rabbeinu, on a dit Rabbi Nechemia, qui a dit En klinital et la lecture tashmisho. On n'est pas d'accord avec cette idée. Les Chachamim n'ont pas accepté cette idée. Absolument. Ensuite, il y avait encore une fois Rabbi Nechemia qui a même ce qu'il a entendu de Rav Chinana. C'est ça? Non, c'est Rabba. Adinia. C'est Rabba qui a entendu de Rabbi Chinana. Chinana Bashelamia. Oui. Alors ça va, les chanouillés-les. Et Rabbi Nechemia, ça c'est Rabba qui parle. Otbam. Est-ce que c'est Rabba, c'est Rabba qui parle? Otbam, écoute-moi. Otbam, on y a posé. S'il me lève. Ça va, Rabba. Pour la deuxième contradiction. Rabba voulait lui dire ça aussi, c'est comme Rabbi Nechemia. Mais il ne l'a pas dit. Pourquoi il ne l'a pas dit? Parce que Rabba a entendu une halakha édictée par Rabbi Hanina Bar Shelamia, dit au nom de Rav. Que à Kol Modim, les Hachamim qui sont contre Rabbi Nechemia, ils sont d'accord avec lui dans ce cas. Seulement ce cas, lequel cas? Sike Zairim Zare. Des objets précieux. Ouais. Ceux-là, ils sont d'accord du fait qu'ils sont précieux. Kafid Aleihu, ils ne les déplacent que pour. La fonction même de ces choses. Leur utilisation, pas pour une autre utilisation. Ouais. Mais il n'y a pas de connexion avec Rabbi Chinana et Rabbi Nechemia. Il n'y a pas une connexion avec eux. Non, c'est non. Deux avis. La connexion est la suivante. Ils viennent nous dire, Rabbi Nechemia avait des contradicteurs qui sont les Hachamim. Est-ce que à un certain moment il n'y a pas eu une rencontre entre Hachamim et Rabbi Nechemia? Ils sont d'accord avec l'idée de Rabbi Chinana. Dans ces cas-là, ils sont d'accord, c'est ça. Ouais. Rabbi Saba, je ne pouvais pas parler parce que je suis entre Mincha Arvit ici dans la choule, mais j'ai une petite question. Le Médora, aujourd'hui, on ne l'utilise pas beaucoup, mais pour écraser le choum, c'est une question sur Alachem Asé. Aujourd'hui, pour écraser le choum, l'ail, on a comme un, je sais pas si vous avez, c'est comme un, ça la forme d'un casse-noix, comme un casse-noix, oui, ça s'ouvre, il y a comme une petite boîte dedans, tu mets l'ail, tu fermes et tu écrases. Mais non, c'est fait pour l'ail. Mais j'imagine on peut casser des noix là-dedans. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser, Shabbat? Est-ce que c'est un keli, je me l'artole et sourd, ce keli-là? Pour l'ail, oui. Je me l'artole et sourd. Parce que tu es en train de moudre l'ail. Mais si tu peux casser les noix avec, oui, tu peux le prendre. Très bonne question. Ok. Même s'il n'y a pas d'ail dedans. Oui, oui. On ne veut pas de l'ail. Il faut qu'il y ait l'ail. Merci. Je vous écoute, j'attends. Tant que c'est chaud. Donc, c'est frais. Posez vos questions.
Ça va? Oui, Rabbeinu, très mouvant. Baruch Adonai, Léon. Amen, Amen.